Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui je vous présente un album que j'ai réalisé donc en reliant les pages grâce à des anneaux Mambi. Alors Mambi, la marque Mambi, c'est Me and My Big Ideas. Elle est plutôt, les anneaux sont plutôt destinés à des agendas ou des planeurs. Et la marque d'ailleurs de leur planeur, c'est The Happy Planner. Et en fait, ils proposent plein, plein, plein d'articles pour pouvoir décorer les planeurs, des stickers, les feuilles déjà prédécoupées, les couvertures aussi prédécoupées. Enfin, c'est vrai que c'est très ludique. Moi, j'aime beaucoup. Et ce qui m'a attiré, en fait, ce sont leurs anneaux avec un centre en forme de cœur. Et des coloris diverses, donc j'ai trouvé ça sympa et je me suis dit pourquoi ne pas les adapter donc sur un album photo, un album scrap classique. Alors les sketchs donc des pages que j'ai réalisées viennent du grand album de Maria Chalanova. Après bon bah j'ai fait les échos avec des découpes que j'ai trouvées chez Action, des découpes que moi j'ai fait moi-même, des tamponnages aussi pour les journalignes. Alors je vous explique un petit peu comment j'ai fait. Hein, pour l'intérieur en fait on s'éloigne pas trop en fait de ce qu'on peut faire pour des reliures classiques par exemple en zigzag. Moi, j'ai utilisé donc des baguettes pour chaque page, chaque feuille, donc que j'ai pliées en deux et que j'ai perforées et je les ai collées à l'intérieur entre chaque page. Voilà, ça m'a permis de faire ma reliure à l'intérieur. Ensuite, donc pour les couvertures, j'ai beaucoup réfléchi parce que je ne savais pas trop comment faire. Je ne savais pas si j'allais les faire en carton ou en plastique. Donc j'avais que deux éventualités, deux possibilités, puisque de toute façon, dans le format que j'avais, je n'avais pas de couverture toute faite. Donc il fallait absolument que je les perfore de toute façon pour mettre avec les anneaux. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris deux feuilles de papier kraft que j'ai plastifiées. Et donc après, je les ai perforés, toujours avec la perforatrice de We Memory Creepers, qui est prévue pour faire des trous pour les planeurs Mambi. Ensuite, bon, bah, j'ai... Donc, il faut savoir aussi que, par contre, c'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas refait, parce que moi, je voulais faire des arrondis. Mais c'était trop tard, j'avais plastifié mes feuilles, elles étaient déjà perforées. Il faut savoir que bah, les petites perforatrices de We Memory Clippers sont comme toutes les perforatrices qu'on peut acheter dans le commerce. Ça aime pas trop le plastique et parce que le plastique a tendance à rester dans les lames. Et donc en fait, de cette manière, il faut déjà, comment dire, trouver et il faut y aller en fait d'un coup assez sec pour ne pas avoir ce problème avec la perforation donc de plastique. Et comme moi j'avais déjà trouvé, j'ai pas voulu refaire des feuilles et j'ai pas voulu repastifier des feuilles pour réutiliser les perforatrices et éventuellement avoir des soucis pour pouvoir les faire les trous. Par contre, ce qui est sympa en fait avec ce système comment dire, d'anneaux, c'est que vous pouvez retirer les feuilles, les remettre. Voilà, ça c'est un atout supplémentaire qui peut être aussi sympa pour les albums. Après, oui, on peut quand même faire au niveau de l'épaisseur, on peut quand même faire comment dire, une bonne quantité de pages assez copieuse comme moi l'album que j'ai fait là, que j'ai fait donc. Avec le grand album de Maria Chalanova. Ensuite, bah, vous pouvez aussi, au lieu d'utiliser la plastifieuse, faire des couvertures en carton. Hein. À ce moment-là, le principe est différent. Donc, il faut repérer les trous, car vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser les perforatrices.
la perforatrice Weir Memory Keepers. Donc, vous ferez donc des petites, comment dire, des petits repères au crayon, et vous ferez avec un emporte-pièce des trous qui vont faire à peu près entre 4 et 5 mm de diamètre. Et à l'intérieur donc de votre page, donc au centre, vous ferez des petites entailles pour pouvoir mettre évidemment la couverture en carton. Ça, c'est une chose que je vais expérimenter. Enfin, j'avais déjà expérimenté, mais le résultat ne me plaisait pas. Donc, je vais le refaire, à mon avis, je vais le refaire donc, dans un prochain tutoriel. Voilà, enfin, donc, pour installer tout ça, donc moi, j'ai fait des calculs hein, pour faire les écarts pour perforer les écarts entre chaque anneau. Bon, ça paraît compliqué, mais en fait, ça ne l'est pas. Moi, je vous expliquerai encore tout ça dans un prochain tuto. Et ce que vous pouvez savoir aussi, c'est que la petite perforatrice de Weir Memory Keepers, en fait, propose déjà un jeu de perforatrice avec lequel vous pouvez faire des trous classiques dans des albums classiques. Mais vous pouvez aussi avoir en plus du jeu de pose pour les anneaux Mambi. Donc, et le jeu de pose n'est pas très très cher, hein, il coûte dans les 8 euros. Vous pouvez aussi acheter un autre jeu de pose pour pouvoir faire des perforations pour des carnets à spirale par exemple. Voilà, donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite donc de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et je vous laisse visionner la fin.